Dans le ciel lillois, ils exécutent leur plus beau ballet. Lancés à pleine vitesse, à 3000 mètres d'altitude, l'équipe de France de chute libre à 4 vise la perfection. Pour en arriver là... Donc la sortie, on se rappelle, hein, ça n'a pas d'idée de vitesse, ça doit tomber dans les mains. Chaque geste est répété au sol. Faire, refaire sans cesse ensemble. Même les sorties d'avion très techniques sont décortiquées. On en refait une fois. En chute, ça va, tout va très très vite et on ne peut pas se parler. On n'a pas le temps, on ne s'entend pas déjà, on est à 200 km/h en chute libre. Donc, le but c'est d'automatiser les sensations, les regards, les visuels, les tensions dans les grippes. Automatisme au sol, concentration à la montée dans l'avion et enchaînement dans les airs pour une chute libre de 35 secondes lors de laquelle ils réalisent plus d'une vingtaine de figures. À peine sont-ils posés que les gestes sont débriefés. La sortie un peu grande. Ouais. Après ça. Prise de main, placement, sensation, tout est analysé en vidéo. Ça permet de vraiment de voir à quoi ça ressemble, s'il n'y a pas de faute, etc., si on n'a rien loupé. Et aussi, ça nous permet justement de modifier pour le saut d'après, de voir si on est dans le bon rythme. S'adapter constamment pour enchaîner jusqu'à 10 sauts par jour ici en entraînement. Indispensable pour cette jeune équipe de France formée il y a 2 ans. Il y a énormément de plaisir là-dedans, parce que ça reste quand même très sympa de sauter de l'avion. Il y a la projection de l'avion, les sensations. Et le plus grand plaisir, c'est de voir qu'on progresse. C'est le plus important pour nous. Quand on arrive en équipe de France, on se fait un peu la promesse de tout donner, que c'est la priorité numéro 1 dans sa vie jusqu'au titre de champion du monde. Hein. C'est ce qu'on recherche. Donc forcément, que ce soit sur le plan social à côté, sur le plan professionnel, il faut faire des sacrifices pour justement atteindre la plus haute marge du podium. Le podium, un objectif dans leur viseur pour les championnats du monde d'octobre prochain aux États-Unis. Le grand saut pour cette équipe qui rêve de s'envoler vers les sommets.